Pour rester dans les temps, bon matin ou bon après-midi, selon d'où vous connectez aujourd'hui. Je m'appelle Bénédicte Choplin, je suis la directrice du Réseau canadien pour la prévention du mauvais traitement des aînés, connu sous l'acronyme RCPMTA. Vous nous connaissez peut-être en anglais sous l'acronyme CNPEA, c'est la même chose. Aujourd'hui, il me fait très plaisir d'accueillir Marie-Ève Bédard et Frédéric Garnier. Donc Marie-Ève, aujourd'hui, va nous parler de son projet de recherche-action et du jeu sérieux qui en résulte, qui vise à prévenir l'intimidation en hébergement dans les résidences pour aînés. Donc, bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous présenter notre nouveau jeu sérieux, la petite vie en résidence. Je remercie d'ailleurs le Réseau canadien pour la prévention des mauvais traitements envers les personnes aînées de nous donner cette chance-là. Quelques petites indications avant de commencer. Comme l'a dit Bénédicte, il va y avoir une période de questions qui va être prévue à la fin du webinaire. L'enregistrement du webinaire va aussi être disponible bientôt, le temps de nous permettre de diffuser les connaissances et le jeu sérieux produit. Et les coordonnées du jeu sérieux vont être communiquées à tous les participants du webinaire. Donc, bienvenue tout le monde. Maintenant, on va embarquer dans le vif du sujet. Savez-vous à quoi sert le jeu sérieux, l'activité en résidence? À sensibiliser les acteurs des résidences pour aînés à l'intimidation, à ses conséquences et aux moyens de la prévenir et de la contrer. Le jeu sérieux, l'activité vie en résidence découle du projet de recherche-action concevoir, développer, implanter et évaluer un jeu sérieux visant à prévenir et contrer l'intimidation dans les résidences privées pour aînés. Le projet a été réalisé de mars 2018 à mars 2020. Il a été mené par le Centre collégial d'expertise en gérontologie du Cégep de Drummondville, les résidences Pelletier de Drummondville, le Collège de la Cité à Ottawa et d'autres collaborateurs, dont la chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées, la QDR nationale et la Fédération des aînés des retraités francophones de l'Ontario. D'ailleurs, je remercie les personnes de ces organisations partenaires et collaboratrices qui sont présentes ici aujourd'hui. Et je remercie également les résidents, les employés et les dirigeants des résidences Pelletier pour leur précieuse contribution à cette recherche-action, parce que sans vous, ce beau projet-là n'aurait pas été possible. Dans cette recherche-action, nous poursuivions 5 objectifs spécifiques. Le premier, c'était d'identifier et de mieux comprendre les situations d'intimidation vécues dans les résidences et les interventions réalisées pour les prévenir ou les résoudre. Ensuite, nous voulions identifier et mieux comprendre les freins et les leviers à l'acceptabilité et à l'utilisation d'un jeu sérieux visant à prévenir et contrer cette intimidation. Nous voulions développer un jeu sérieux, ensuite l'implanter dans 2 résidences Pelletier autonomes et semi-autonomes et évaluer le jeu sérieux, son contenu, sa forme, l'expérience de l'utilisateur, son implantation, de même que ses effets sur l'intimidation dans les résidences privées pour elle. Au-delà de toutes les étapes habituelles d'un projet de recherche, dont la recension des écrits, le développement du jeu s'appuie sur les propos de 11 personnes de 2 résidences privées pour aînés du Centre du Québec qu'on a rencontrées lors d'entrevues. Ces personnes-là nous ont partagé des situations problématiques qu'elles ont vécues ou dont elles ont été témoins, ainsi que des interventions réalisées pour les prévenir ou les résoudre. Ces situations ont été analysées à l'aide du schéma des caractéristiques de l'intimidation spécifique aux aînés. C'est vraiment un schéma qui présente les caractéristiques de l'intimidation. Ça nous permettait de voir est-ce que les propos de ce que les gens nous ont raconté par rapport aux situations, est-ce que ce sont de l'intimidation ou non. Ces situations et ces interventions-là ont permis de créer les scénarios qui sont contenus dans le jeu sérieux. Tout au long de son développement, il y a aussi 9 rencontres d'expérimentation auprès des acteurs de ces 2 résidences qui ont été réalisées pour leur présenter le jeu, leur permettre de l'expérimenter, les accompagner dans son utilisation, recevoir leur rétroaction par rapport à celui-ci et conséquemment le bonifier. Nous avons pu connaître leur appréciation, notamment à l'aide d'un formulaire d'appréciation basé sur les dimensions du User Experience Honeycomb de Morville. Donc, est-ce que le jeu est utile? Est-ce qu'il est utilisable, désirable, trouvable, accessible, crédible? Est-ce qu'il apporte une valeur ajoutée par rapport aux outils existants? Au total, il y a 110 personnes qui ont participé à ces rencontres d'expérimentation du jeu. Nous avions aussi, dans le déroulement de la recherche-action, un comité de travail composé de différents partenaires, dont des acteurs de ces 2 résidences Pelletier-là. Nous avions une rencontre aux 2 mois afin de s'assurer que le jeu soit, qu'il réponde à leurs besoins et qu'il soit utile et utilisé. Qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Voici ce que je vous propose comme parcours de webinaire. D'abord, on va voir quels sont les fondements du jeu sérieux l'activité vie en résidence. Nous allons ensuite découvrir ensemble le jeu. Nous allons prendre connaissance des conditions de succès à l'implantation, découvrir le contenu de la trousse d'implantation, puis passer à la période de questions. Donc, des questions que vous pouvez poser à moi ou aux partenaires et collaborateurs du projet qui sont présents aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, qu'est-ce que l'intimidation chez les aînés?
intimidation quand un geste ou une absence de geste ou d'action, à caractère singulier ou répétitif et généralement délibéré, se produit de façon directe ou indirecte dans un rapport de force, de pouvoir, de contrôle entre individus, et cela est fait dans l'intention de nuire ou de faire du mal à une ou plusieurs personnes aimées. Il importe de ne pas oublier que la notion d'intention est sujette à dérogation lorsque des personnes intimidatrices présentent des pertes cognitives importantes. Je vous donne des exemples d'intimidation verbale, des insultes, des moqueries, d'intimidation sociale, des rumeurs sur autrui, l'humiliation, d'intimidation physique, des bousculades ou s'approprier ou détruire le bien d'autrui. Et pourquoi avoir choisi cette définition-là pour le projet? De un, parce qu'elle est spécifique aux aînés, et de deux, parce que j'ai contribué à l'élaboration de ces définitions-là lors de mes études doctorales au sein de la chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées. Pourquoi était-il important de s'intéresser à l'intimidation? Bon, bien évidemment, c'était le sujet de la recherche, mais au-delà de ça. C'est parce que l'intimidation, c'est un problème social qui peut se produire à tous les âges et dans tous les milieux de vie, y compris les résidences privées pour aînés. L'intimidation est très peu documentée chez les aînés et encore moins dans les résidences privées pour aînés. Donc, les gens qui évoluent dans ces milieux, que ce soit les dirigeants, les employés, les résidents, ne sont pas outillés pour prévenir et contrer ces situations d'intimidation. Ne sachant pas quoi faire, ils se sentent démunis. Ne pas connaître les façons d'intervenir pour contrer ces situations-là, ça a fait que les situations ont plus de chances de se prolonger dans le temps, de se reproduire et d'engendrer des conséquences graves sur la santé physique, mentale, sur les interactions sociales des personnes impliquées ou des personnes témoins, mais aussi sur le climat de travail, avec les conséquences que l'on connaît sur la rotation du personnel dans les résidences. Il était donc important et pressant d'agir de façon concertée pour identifier et mieux comprendre ces situations d'intimidation, puis outiller les gens pour les prévenir et les contrer. On voulait, entre autres, promouvoir un milieu de vie de travail sain et aider à l'adhésion par tous aux valeurs promues au code d'éthique. Maintenant, qu'est-ce qu'on a découvert? L'analyse des entrevues individuelles nous a permis de dégager 36 situations d'intimidation qui se sont produites dans des lieux publics, comme les salles de jeu ou de divertissement, comme la salle de cinéma, par exemple, à la salle à manger, à la chapelle, au petit marché, ou dans des lieux privés, comme dans les appartements des résidents et même dans le bureau de la direction. Les situations d'intimidation se sont produites dans 3 types de rapports, entre résidents, donc généralement 26 situations, d'un résident à un employé et d'un proche à son parent résident. Mais quelle est la nature de ces situations-là? Dans le rapport entre résidents, c'est vraiment quand un résident veut absolument gagner un jeu et qu'il va remettre en cause les règlements ou les façons de jouer des autres joueurs. Ou il s'approprie un espace de jeu à la salle à manger, de bénévolat, il le défend. Va en discriminer un autre sur la base d'une différence. Dans une résidence, il y avait une dame qui avait une masse au visage et cette dame-là, elle a fait jaser dans la résidence. Dans ce rapport entre résidents, on voit beaucoup de l'intimidation sous forme de violence verbale, physique et sociale. Dans le rapport entre un résident et un employé, c'est lorsque le résident n'est pas satisfait des soins ou des services reçus et qu'il remet en cause ou qu'il dénigre les compétences ou les façons de faire des employés. Ou, quand un résident fait sa loi et qu'il exige des soins ou des services et n'exprime aucune considération ni respect envers les membres du personnel. On voit beaucoup de l'intimidation sous forme de violence verbale et potentiellement physique. Que dans une situation d'intimidation, le résident menaçait vraiment de frapper l'employé. Dans le rapport entre un proche et un résident, c'est lorsque le proche va crier, insulter ou dénigrer son parent résident. On voit beaucoup d'intimidation sous forme de violence verbale dans ce rapport. Donc, ces connaissances-là ont été regroupées en 7 scénarios d'intimidation qui sont contenus dans le jeu sérieux. Les entrevues ont aussi permis de dégager les interventions pour prévenir et contrer les situations. Ces informations ont été bonifiées à la lumière de notre recension des écrits et ce matériel a été regroupé dans des fiches qui se trouvent dans la trousse d'implantation du jeu que je vous présenterai plus tard. Mais qu'est-ce qu'un jeu sérieux? Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont joué au jeu. On va vous expliquer c'est quoi. Donc, c'est vraiment une application informatique qui combine une intention sérieuse de type pédagogique ou informatif avec un environnement qui prend la forme d'un jeu vidéo. Il permet de développer des habiletés de communication, d'échange, de coopération, une capacité à résoudre des problèmes au moyen d'un environnement immersif parce qu'on vit des situations et motivant parce que c'est un jeu favorable aux apprentissages. Donc, c'est une façon pertinente de faire de la sensibilisation et d'agir à la fois sur les connaissances, les attitudes et les comportements. C'était donc tout indiqué pour sensibiliser et outiller les gens des résidences à l'intimidation, à ses conséquences et au moyen de la prévenir et de la contrer. Donc, c'est un jeu. On peut se tromper, on peut faire des essais, on est incité à gagner des points et à avancer dans le jeu, à progresser dans le jeu.
C'est un jeu qui est réaliste. Les joueurs vont s'identifier facilement aux images, aux voix, aux situations. Le rythme de progression et l'ergonomie du jeu est aussi adapté. Et c'est un jeu qui est sérieux. Alors, les joueurs vont être amenés à vivre leurs 3 premiers jours dans la résidence. Ils vont vivre diverses situations problématiques. Tantôt, ils vont incarner une personne intimidatrice, une personne intimidée ou une personne témoin d'une situation d'intimidation. Ils vont devoir faire des choix parmi les options proposées, comme vous voyez à l'écran. À la suite de chaque situation, il y a une rétroaction qui va être donnée aux joueurs pour leur expliquer en quoi les options choisies s'avéraient adéquates ou non, comme vous le voyez aussi à droite. De cette façon-là, ils vont apprendre à intervenir de la meilleure façon possible dans une situation d'intimidation. Avec un usage répété et large du jeu sérieux dans la résidence, il y a plusieurs avantages qui sont à prévoir. De réduire d'abord les conséquences de l'intimidation, d'amenuiser les tensions entre les différents acteurs de la résidence, de faciliter et d'améliorer la qualité de vie à l'intérieur du milieu. Donc, en agissant sur les comportements individuels souhaitables, c'est le mieux vivre ensemble qui est renforcé dans les résidences, en créant du même coup un milieu de travail plus sain et sécuritaire. On propose aussi la carte club, comme on le voit à l'écran, comme un témoin et un rappel de l'adhésion aux valeurs du code d'éthique. Cette carte est disponible dans la trousse et je vais vous la présenter un petit peu plus tard. Mais qu'en est-il des conditions de succès à l'implantation du jeu dans les résidences? Évidemment, la promotion, l'implication du milieu et le suivi à moyen et long terme sont des éléments essentiels pour favoriser la sensibilisation escomptée. Donc, quelques pistes pour y arriver. Jouer, jouer, jouer. C'est vraiment la première étape. Multiplier les activités ou les temps de jeu au sein de la résidence pour sensibiliser le plus de monde possible. Faites la promotion de valeurs comme l'entraide, le partage dans vos activités quotidiennes. Organisez des journées thématiques ou des discussions sur le respect, l'intégration des nouveaux résidents, l'acceptation des différences. On sait que l'intégration des nouveaux résidents, ce n'est pas toujours facile. Proposez des jeux ou des défis comme de changer de place à la salle à manger, de jumeler une personne en perte d'autonomie avec une personne plus en forme, de faire un tirage au sort pour jumeler les personnes dans un jeu ou d'ajouter des obstacles dans un jeu pour que tous soient sur le même pied d'égalité. Vous savez, comme au golf. Valorisez aussi et remerciez les bons coups de votre monde par des journées reconnaissantes. Là, je sais qu'on parle beaucoup et que vous voulez voir le jeu, alors allons-y. Vous ouvrez le jeu sérieux L'Activité en résidence, il va y avoir un tutoriel qui va expliquer aux joueurs comment jouer au jeu, comment y naviguer. Ensuite, il y a un message d'avertissement qui va apparaître pour prévenir les joueurs de la sensibilité du sujet traité. Ensuite, on va voir un résident qui arrive pour la première fois dans sa résidence. Il va rencontrer la conseillère en hébergement qui va lui présenter le code d'éthique de la résidence. Ensuite, on enchaîne avec une situation d'intimidation. Voici donc une courte vidéo qui présente la première situation du jeu sérieux. Alors, allons-y. Vous êtes impatient de vivre votre première journée en résidence. Vous regardez la télévision en buvant votre café. Votre regard se tourne vers l'horloge et vous remarquez qu'il est presque l'heure de descendre à la salle à manger pour dîner. Vous arrivez en bas et voyez une file d'attente. Les gens semblent attendre depuis longtemps. Deux personnes vous regardent lorsque vous arrivez. Une fois dans la salle à manger, vous prenez votre place et vous commencez à manger votre hamburger, vos frites et votre salade. Un résident vous regarde avec un air mécontent. Un autre résident lui demande ce qu'il fait. Le résident répond : Je peux pas manger. Il y a quelqu'un assis sur ma chaise. En tirant brusquement sur votre manche et en vous signifiant de vous lever. Que faites-vous? Vous vous levez et changez de place? Vous ignorez le résident qui vous demande de changer de place? Vous répondez que vous ne saviez pas qu'il aimait manger là. Vous lui dites que demain, vous vous trouverez une nouvelle place. Vous vous retournez et lui dites que vous ne voyez pas de nom écrit sur la chaise et, donc, qu'aujourd'hui, c'est la vôtre. Cliquez sur un bouton pour faire votre choix. Le résident répond « Excuse-moi, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Il n'y a pas de place d'attitré, mais ça, c'est la mienne. » Il continue à tirer sur votre chandail pour que vous vous leviez. Que faites-vous? Vous lui dites qu'il n'y a pas de place attitré et qu'il peut donc aller manger ailleurs aujourd'hui. Non seulement vous ne vous levez pas, mais vous empoignez la main du résident puis l'ôtez de votre chandail. Cliquez sur un bouton pour faire votre choix.
Le résident se fâche et vous prend à la gorge. Vous êtes sous le choc. La préposée intervient. Le résident et vous êtes rencontrés par un membre de la direction. Vous êtes honteux et vous vous inquiétez de votre réputation. Vos comportements pour résoudre la situation ont contribué à accroître la colère du résident et l'ont incité à se défendre, bien que vous ayez simplement voulu établir vos limites. Lorsque vous vivez une telle situation, il est recommandé de ne pas se montrer brusque ou agressif envers l'autre, car cela engendre très souvent une escalade de la violence. Il est préférable de s'affirmer sur un ton calme et ferme, ou encore d'aller chercher de l'aide auprès de quelqu'un qui peut concrètement dénouer la situation, comme la préposée de la salle à manger ou un membre de la direction. Tout est une question de dosage dans le ton. Vous réussirez certainement la prochaine fois. Vous avez gagné 2 points. Pour toute question relative à une situation d'intimidation dans les résidences privées pour aînés, nous vous invitons à contacter la ligne Aide Abus Aînés au 1-888-489-2287. Êtes-vous prêt à poursuivre votre première journée en résidence? Si oui, cliquez sur la « Situation 2 » dès maintenant. Donc, on va se le dire, dans cette situation-là, on a vraiment fait les pires choix possibles. Mais ça montre comment une situation d'intimidation peut vraiment dégénérer. C'est sûr que ce ne sont pas toutes les situations d'intimidation qui dégénèrent de cette façon-là, mais ça montre quand même jusqu'où ça peut aller. Il n'y a rien d'inventé dans le jeu. Ça repose vraiment sur les propos des gens qu'on a rencontrés en entrevue. Donc, c'est une situation parmi toutes celles que je vous ai présentées il y a quelques instants. Il y a autant de dénouements, de rétroactions que de choix effectués dans le jeu. Donc, peu importe les choix qu'on fait, ça finit jamais de la même façon. À la fin du jeu, il y a un retour sur les points cumulés, donc les points que vous voyez en haut à droite, et une synthèse des notions qui sont abordées dans le jeu. Pour vous aider à mettre en place le jeu dans la résidence, il y a la trousse d'implantation. Donc, voyons voir ce qu'elle contient. Vous allez trouver toute l'information pertinente, dont des prérequis à l'implantation et des documents imprimés qui sont en annexe de la trousse. Pour les prérequis à l'implantation, c'est vraiment quelles sont les ressources humaines à prévoir au sein de la résidence, les ressources matérielles. Puis pour les documents imprimés, ça montre vraiment différents types d'utilisation du jeu et du déroulement, donc avec leur déroulement. Les interventions à prévenir pour prévenir et contrer l'intimidation, une affiche promotionnelle du jeu, puis la carte de membre, je fais partie du club. Donc, pour la personne ressource. Quand vous voulez implanter le jeu dans la résidence, c'est vraiment important de se poser les deux questions suivantes. Qui est la meilleure personne pour faire vivre le jeu à l'intérieur de la résidence? Ensuite, qui est la meilleure personne pour recueillir les situations problématiques si des joueurs ont besoin de se confier? Ça peut être la même personne ou il peut s'agir de personnes différentes. Pour la personne dédiée à faire vivre le jeu à l'intérieur de la résidence, ça peut être un employé, par exemple la responsable des loisirs. Cette personne-là va pouvoir faire la promotion du jeu, animer des activités de sensibilisation, expliquer le fonctionnement du jeu si les joueurs ont des questions. Il est vraiment important que cette personne-là prenne connaissance de la trousse d'implantation du jeu. Pour la personne responsable de recueillir les situations problématiques, ça peut aussi être un employé ou une personne externe de la résidence qui va être là pour écouter et soutenir les joueurs qui vivent, ont vécu ou ont été témoins d'une situation d'intimidation et les aider à trouver des solutions. Cette personne-là pourrait même aider les nouveaux résidents à s'intégrer dans la résidence. Il est vraiment important que cette personne-là détienne une formation psychosociale, représente une personne de confiance au sein de laquelle, auprès de laquelle les joueurs vont avoir envie de se confier sans avoir peur de ne pas être cru et qu'elle intervienne de façon confidentielle, bien évidemment. Donc, une telle personne pourra faire en sorte que les situations se corrigent plus rapidement, comme l'illustre le témoignage à l'écran. On voit bien avec ce témoignage-là que les personnes jonglent avec la situation, que ça prend beaucoup de temps et que ça prend beaucoup d'énergie pour les résoudre. Qu'en est-il maintenant des ressources matérielles qu'on a besoin? Ça va prendre des ordinateurs ou des tablettes électroniques sur lesquelles le lien web du jeu ou le raccourci du jeu va être installé, des écouteurs s'il s'agit d'une pièce avec beaucoup d'ordinateurs ou de tablettes, sinon ça devient cacophonique, et les documents imprimés qui se trouvent en annexe de la trousse qui accompagnent le jeu. Maintenant, comment utiliser le jeu dans la résidence? Dans la trousse, vous allez trouver 4 documents qui expliquent différentes façons d'implanter ou de jouer au jeu dans la résidence. Vous n'avez qu'à choisir votre façon de faire et suivre la feuille d'instruction. Si
Si vous souhaitez que les résidents puissent jouer au jeu chez eux avec leur propre ordinateur ou tablette, bien, vous choisissez jeu sérieux individuel, document emporté avec étape pour jouer seul dans son appartement. Si vous souhaitez que les résidents puissent jouer d'une façon autonome dans le salon d'ordinateur ou tablette de la résidence, vous choisissez jeu sérieux, salon d'ordinateur ou tablette, document pour le salon avec étape pour jouer seul. Si vous souhaitez organiser une activité en petit groupe dans le salon d'ordinateur ou tablette de la résidence, une personne par ordinateur, bien, vous choisissez jeu sérieux groupe 1 pour l'animateur. Si vous souhaitez organiser une activité en grand groupe en projetant le jeu sur un seul grand écran, bien, vous choisissez jeu sérieux groupe 2 pour l'animateur. On nous a raconté que parfois, quand les nouveaux résidents arrivent dans une résidence, on remet le code d'éthique avec de nombreux autres documents. Donc souvent, le code d'éthique, il passe un peu sous les fleurs du tapis. Donc, ça pourrait vraiment être une bonne idée, quand il y a un petit groupe de nouveaux résidents qui arrivent, de les réunir dans le salon d'ordinateur ou de tablette, de les faire jouer au jeu et de leur remettre le code d'éthique de la résidence. Donc, c'est vraiment une façon de s'assurer que les nouveaux résidents aient bien pris connaissance des comportements attendus dans le milieu. Vous pouvez donc imprimer ces documents-là pour les remettre aux résidents, aux employés, ou encore les afficher aux bons endroits dans la résidence. Pour les interventions à privilégier pour prévenir et contrer les situations d'intimidation, dans la trousse, vous allez trouver deux documents en fonction de si le joueur est une personne intimidée, témoin ou auteur d'une situation d'intimidation, par exemple un résident, et un autre document si vous êtes un dirigeant, un employé, un proche ou un bénévole d'une résidence pour elle. Vous pouvez remettre ces PDF aux joueurs une fois qu'ils ont complété le jeu ou les laisser à un endroit identifié où ils peuvent les récupérer. Ces PDF-là sur les interventions privilégiées pour prévenir et contrer l'intimidation agissent vraiment comme un aide-mémoire. Ça va rappeler aux gens qu'est-ce qu'ils ont vécu dans le jeu et qu'est-ce qu'ils ont appris aussi, avec des pistes pour améliorer les situations. Ce qu'on trouve également dans la trousse, une affiche pour promouvoir des activités ou des temps de jeu sérieux à l'intérieur de la résidence qui peut être modifiée, la date, le lieu, donc vous pouvez afficher ces affiches-là aux bons endroits dans la résidence, des cartes de membre « Je fais partie du club » à remettre aux joueurs afin de créer un sentiment d'appartenance envers le milieu, envers le jeu et assurer la pérennité au sein de la résidence. Ouverture de jeu, il y a aussi un tutoriel, comme je vous le disais tantôt, qui est présent pour aider les utilisateurs à naviguer dans le jeu. Qu'en est-il de l'appréciation du jeu dans les résidences? Sur les 110 personnes qui ont participé aux rencontres d'expérimentation dans les deux résidences Pelletier, ils nous ont partagé plusieurs commentaires quant à leur appréciation du jeu. Donc, en voici quelques-uns. On a le goût d'aller plus loin dans le jeu. On se demande toujours quelle est la meilleure solution. Après avoir joué au jeu, je me rends compte que j'aurais pu réagir ou intervenir plus vite. Je vais leur dire aux autres personnes de la résidence que c'est très révélateur de jouer au jeu. Ça nous confronte dans nos comportements. J'ai aimé ça. Je ne savais pas ce que c'était le jeu. Je trouve que c'est important de prendre conscience de tout ça, qu'on soit n'importe qui. J'aurais plus d'idées sur quoi faire si je vivais une situation d'intimidation grâce au jeu. On peut donc dire que le jeu sérieux la petite vie en résidence permet vraiment de sensibiliser les acteurs des résidences à l'intimidation, à ses conséquences et aux moyens de la prévenir et de la contrer. Si vous voulez implanter le jeu sérieux à l'intérieur de la résidence, le Centre collégial d'expertise en gérontologie du Cégep de Drummondville peut vous aider dans l'implantation en vous offrant différents services selon certaines modalités. Par exemple, on peut accompagner la personne responsable dans l'implantation du jeu dans la résidence. On peut former et outiller la personne ressource à l'intérieur de la résidence aussi, qui a comme mandat notamment de recevoir, d'écouter, d'accompagner les résidents ou les employés qui vivent une situation d'intimidation. Organiser une activité de sensibilisation clé en main, donc une animation, une expérimentation du jeu, des rétroactions, des discussions. Présenter une conférence sur le thème de l'intimidation en résidence et d'autres formations qui sont aussi disponibles selon les besoins. On doit aussi vous dire que nous aimerions beaucoup connaître votre utilisation et votre appréciation du jeu. Et d'ailleurs, nous pensons créer un comité de pilotage pour voir ce que le jeu donne dans les milieux. Donc, si ça vous intéresse d'en faire partie, vous n'avez qu'à nous le faire savoir. Un dernier élément essentiel, le lien web vers le jeu et sa trousse. Donc, voici le lien pour accéder au jeu sérieux et à sa trousse d'implantation. Je vais vous dire que si vous êtes dans Google et que vous écrivez « Jeu sérieux, la petite vie en résidence, Cégep de Drummondville », vous allez aussi y accéder facilement. Je vous dis un grand merci pour votre participation à ce webinaire aujourd'hui. Je vous souhaite bon jeu et on passe maintenant à la période de questions. Oui, merci Marie-Ève. Alors ici, une première question. Le jeu cible les RPA. Pourquoi? Serait-il aussi possible d'ouvrir le jeu aux résidences du réseau public, exemple RI-CHSLD?
Certainement. Vous pouvez jouer dans les différents milieux de vie pour aînés. Dans le cadre de cette recherche-là, c'était vraiment auprès de deux résidences privées pour aînés. Mais tu sais, je me dis que ce qui est dans le jeu, les notions qu'on voit dans le jeu, ça peut aussi bien être pour un centre d'hébergement, pour une ARI, pour différents milieux de vie pour aînés, sans problème. Deuxième question de Monique. Est-ce que vous avez une version anglophone de ce jeu? On n'a pas de version anglophone de ce jeu. S'il y a un intérêt pour traduire le jeu, ça va être de demander une autre subvention pour qu'on puisse faire ce travail-là de traduction. Autre question de Brigitte. Alors, est-ce que le jeu évolue dans le temps? Si on joue souvent, est-ce que les questions, situations reviennent ou y a-t-il d'autres questions à suivre? S'il ne complète pas le jeu la première fois, il va pouvoir reprendre où il avait quitté finalement l'utilisateur. Mais sinon, non. C'est vraiment un jeu où il y a 7 situations. Puis c'est sûr qu'on peut s'amuser à refaire la première situation et faire de nouveaux choix pour voir ce que ça donne. Mais c'est vraiment 7 situations qui sont là avec des choix qui sont impliqués dans le jeu. Puis dépendamment de ce qu'on choisit, bien, il y a un dénouement. Oui, merci Brigitte pour cette question. Alors, je garde un œil sur le chat parce qu'il y a une ou deux personnes qui ont mis une question dans le chat box. Il y a une question qui vous demande, est-ce que vous avez des dépliants ou des fiches qu'à titre de TS au niveau du soutien à domicile, nous pourrions laisser dans les résidences privées que nous visitons afin de les sensibiliser à l'utilisation du jeu? On n'a pas de fiches, mais c'est sûr qu'on a comme des fiches promotionnelles qu'on peut mettre à l'intérieur de la résidence ou la trousse d'implantation du jeu qu'on peut laisser aussi, on peut l'imprimer sans problème. Tous les outils qui se trouvent dans la trousse, toutes les annexes de trousse, on peut aussi les imprimer sans problème pour les distribuer. Mais il n'y a pas d'affiches spécifiques pour les personnes à domicile. Oui, très bien. Ici, une question de Caroline. Est-ce que vous avez déjà vécu l'expérience d'implantation du jeu pour les résidents en RPA et par les résidents? Donc, l'implantation par les résidents, c'est l'essence de la question. Oui, tout à fait. Quand on a fait cette rencontre d'implantation du jeu, on a vraiment sollicité des gens. Donc, il y a eu 110 personnes qui ont joué au jeu sérieux. On a vraiment fait des temps d'implantation dans le jeu où les gens prenaient connaissance du jeu, nous donnaient leurs commentaires, leurs rétroactions par rapport à ce jeu-là. Et on a eu, je vous avoue, au départ, des gens qui sont arrivés pour tester le jeu. Ils nous ont dit, « Ah, avoir su que c'était sur l'ordinateur ou la tablette, pas sûr que je serais venue à votre rencontre. » Finalement, quand il y a un accompagnateur qui est là pour leur montrer comment naviguer dans le jeu, faire les choix pour eux, mais pour les accompagner dans le déroulement, le fonctionnement est très simple pour juste cliquer à certaines places. Puis c'est très, on voit les icônes flasher, puis on voit où on doit cliquer aussi. Puis le jeu est fait en sorte que la souris ne va pas trop vite pour que les gens soient vraiment capables d'aller cliquer dans les bons endroits et tout. Et puis, une fois qu'ils ont commencé le jeu, bien, ça a super bien été. Puis les gens ont dit, finalement, après la rencontre, ça s'est bien passé finalement. J'ai une question de Catherine qui demande, est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il y aura dans le futur des situations concernant l'homosexualité, les résidents de nationalités différentes ou de différentes religions? Bien, j'ai le bonheur de vous annoncer qu'on a reçu une subvention en novembre 2020 pour réaliser un projet de recherche-action qui vise à prévenir et contrer la maltraitance envers les personnes aînées lesbiennes, gays, bisexuelles et trans dans les résidences pour aînés. Et dans le cadre de ce projet-là, nous allons aussi développer un jeu sérieux pour contrer ces problèmes-là. Donc, le jeu n'est pas disponible tout de suite, mais dans 2 ans, donc en 2022, j'aurai certainement le bonheur de faire un autre webinaire pour pouvoir vous partager les résultats de ce projet-là et le jeu. Oui, j'ai ici, merci, une question de René qui nous demande s'il est possible de former une personne dans une région en particulier. Que nous, on forme une personne dans une région? Oui, je pense que c'est l'essence de la question. Oui, bien, vous pouvez communiquer avec nous. Si vous avez un besoin qu'on puisse transférer des notions à une personne en particulier, ça va nous faire plaisir d'entrer en contact avec vous et de voir comment on peut s'arranger. Là, j'ai une question qui est plus technique, qui est de savoir s'il n'y a pas de connexion Internet dans certaines sections de la résidence, est-ce que le jeu peut être mis sur une clé USB? Est-ce qu'il y a un moyen d'y accéder sans connexion Internet? Je ne crois pas. Je pense qu'on vous reviendrait avec cette question-là. Oui. Si pour être certaine, je reviendrai avec mes spécialistes du jeu sérieux. J'ai vu Stéphanie Degrasse, je pense qu'elle est là. Mais ça serait plus les gens avec moi qui pourraient vous le dire, mais il me semble que non, mais je vous reviendrai. Donc ici, si une situation, une question de Brigitte, si une situation ne se règle pas par le jeu, est-il proposé d'autres solutions, comme la médiation citoyenne, par exemple?
Oui, tout à fait. Dans les fiches, dans les deux PDF que vous allez avoir, il y a différents moyens pour prévenir et contrer les situations d'intimidation qui peuvent être à l'intérieur de la résidence, mais qui font aussi des ponts avec des acteurs externes de la résidence. Alors oui, la médiation est tout indiquée, par exemple pour les personnes d'équi justice ou des choses comme ça. Oui, je peux prendre la suite. On nous signale aussi quelque chose de fort intéressant. Mylène nous dit qu'il ne faudrait pas oublier les offices d'habitation. Effectivement, très bon C'est un milieu. jeu qu'on va déployer là aussi, sans problème. Oui. Et on nous demande aussi combien de temps on estime pour compléter le jeu. C'est environ 40 minutes, de 30 à 40 minutes, dépendamment de comment on est à l'aise avec les boutons et tout. Donc, on peut prendre un temps, mais comme je vous dis, si la personne elle n'a pas terminé, elle peut recommencer plus tard sans problème. Autre question de John, y a-t-il un coût lié à l'utilisation? Non, pas du tout. Le jeu est gratuit. Donc, seulement aller accéder au lien. Vous pouvez l'installer sur les ordinateurs et les tablettes de votre milieu de vie et vous pouvez jouer comme vous le voulez. C'est gratuit. Très bien, on a beaucoup de questions, c'est Oui. extraordinaire. Catherine nous demande, en tant qu'organisme communautaire, peut-on faire la promotion du jeu? Cela ciblerait seulement les résidents que l'on côtoie. Oui, certainement. Si vous trouvez qu'il y a des endroits où le jeu sérieux pourrait être utilisé, il n'y a aucun problème à en faire la promotion, là, ça. Allez-y, en fait. Plus qu'il y a de monde qui vont l'utiliser, mieux c'est. Sinon, une question de Lucie. Je constate que le jeu fait référence à la ligne abus aîné. Est-ce qu'il y a aussi une référence au commissaire aux plaintes et à la qualité des services des CIUSSS et CISSS? Non, on n'a pas fait de lien avec les comités d'usagers, les comités de résidents, les commissaires aux plaintes, étant donné que c'était plus le milieu privé. Mais la ligne à d'abus aînés, on a voulu, comment je vous dirais ça? Comme c'est une ligne d'intervention téléphonique, ce qu'on s'est dit, c'est que quand on a réalisé la recherche action, si pendant les entrevues, il y aurait eu comme des gens qui auraient eu des souvenirs ou des émotions négatives par rapport à l'intimidation qu'ils ont vécue ou dont ils ont été témoins, bien évidemment que nous, notre rôle n'était pas d'intervenir. Donc, on a voulu vraiment orienter les gens vers une ressource qui pouvait faire de l'intervention, comme par exemple la ligne Aide à l'UNE, qui est une ligne qui est provinciale. Donc, on n'a pas ciblé chacun, même si c'est une résidence privée, ça serait aussi, ils pourraient faire le lien avec les comités d'usagers, comités de résidence sans problème, mais on a plus opté pour la ligne d'intervention téléphonique provinciale. Et pendant qu'on Oui. parle des histoires de ressources, il y a une question, est-ce qu'il y a une dimension connaissance sur intimidation ou maltraitance? Donc les définitions, les types qui existent, est-ce que ça fait partie du jeu? Dans le cadre de ce projet-là, on n'avait pas l'intention de faire la distinction entre l'intimidation et la maltraitance. Ce n'était pas le but du jeu. En fait, on a vraiment voulu être spécifique à l'intimidation chez les aînés, donc l'intimidation dans les résidences privées pour aînés. Mais il y a un article que j'ai mis dans la présentation, je pense que c'est la deuxième référence, un article que j'ai coécrit avec Marie Beaulieu et Roxane Leboeuf, qui dit vraiment l'intimidation envers les personnes aînées. Un problème connexe à la maltraitance. Donc, dans ce cadre de cet article-là, vous allez pouvoir voir les distinctions et les similitudes entre les deux concepts. Oui, alors on a plusieurs questions ici sur l'ergonomie. L'écriture est-elle adaptée aux personnes âgées, problèmes de vue? Oui, tout à fait. Tout a été pensé. Puis c'est pour ça aussi que c'est parlé. Donc, les gens peuvent le lire, mais ils peuvent aussi entendre le jeu. Oui. Est-ce que les ressources sont seulement celles du Québec ou pancanadiennes? Non, les ressources sont vraiment du Québec. Bien, en fait, la ressource qui est la ligne Aide à l'UNE, c'est une ressource qui est vraiment du Québec. Du Québec, mais le jeu peut être employé hors Québec, bien évidemment, Exactement. avec un complément d'information sur les ressources disponibles dans d'autres provinces ou régionalement. Ici, une autre question de Luc. Est-ce qu'il y a un scénario dans le jeu qui présente une situation de discrimination raciale d'un résident envers un employé? On n'a pas de discrimination raciale, mais on a vraiment une situation par rapport au physique d'une personne, parce que ça arrive aussi dans le milieu. C'est là, on a vu vraiment un rapport entre résidents, mais dans le jeu, vous allez voir un rapport entre les résidents et les employés, entre un proche et un résident également,
qui va se produire dans différents endroits dans la résidence, que ce soit les appartements des résidents, dans la salle à manger, ça se promène avec le concierge, un employé. Donc, on voit vraiment différentes dynamiques à l'intérieur du milieu. Mais on a misé sur la différence, mais pas la différence raciale, mais la différence physique. On a une question de Jade qui demande si, pendant que vous faisiez votre recherche, vous avez remarqué des tensions entre les résidents lors de l'utilisation en groupe, si le jeu était joué en groupe. Il y avait des sanctions? S'il y avait des tensions. Des tensions. Non, en fait, je vous dis, ce qui est vraiment le fun avec ce jeu-là, c'est qu'à un moment donné, les gens n'ont pas le choix d'être une personne intimidatrice. Donc, ils doivent vraiment avoir des propos déplacés envers une employée. Et c'est à ce moment-là que les gens me disaient souvent, « Mais Marie-Ève, moi, j'ai pas envie de répondre à cette question-là, j'ai pas envie. » Puis c'est là qu'on leur dit, « Ben, tu sais, c'est un jeu pour apprendre des choses. Tu sais, c'est pas vrai, c'est un jeu. Faites voir qu'est-ce que ça va donner puis comment vous pouvez... » Parce qu'en fait, le but, c'est de pouvoir réparer la situation. Donc, une fois qu'on a commis un geste d'intimidation, on a des propos déplacés, comment après ça, on peut réparer la situation? Donc, on est amené dans cette situation-là à faire ça. Mais au contraire, quand les gens sont sortis du jeu, ils se sont beaucoup dit... Oh mon Dieu, hein, on sait de quoi qu'on parle. Ça nous dit quelque chose, puis ça nous fait penser, puis il y a des choses à revoir. Là. Je pense que les gens étaient beaucoup contents de s'en parler. Ils invitaient même d'autres personnes à venir jouer au jeu. Oui, alors là, on nous signale ici, Sabrina signale qu'elle aimerait bien déployer le jeu dans sa résidence. Donc, on vous inviterait à nous communiquer votre courriel, peut-être dans la boîte de chat ou dans la boîte questions-réponses, comme vous le faites. Pardon, oui, si vous avez besoin d'aide. Oui, si vous avez besoin d'aide, communiquez avec nous, là, ça va nous faire plaisir. Excellent. Ici, Lucie nous dit, à titre de CPQS, ce que je reçois le plus comme plainte ou signalement concerne des situations de maltraitance par des propriétaires ou des membres du personnel des RPA, contrairement à votre sondage. Les situations entre résidents surviennent surtout en CHSLD. A-t-on quelque chose à répondre? Dans le cadre de notre recherche, dans les deux milieux que nous, on a étudiés, ça a été une réalité qu'on a moins vue du côté de l'employé, du dirigeant envers le résident. C'est quelque chose que j'ai beaucoup vu dans ma thèse de doctorat, par exemple, en centre d'hébergement et de soins longue durée, où là, la maltraitance que j'ai trouvée, c'était 50 quelques situations de maltraitance, que c'était beaucoup les employés envers les résidents. Et là, moi, justement, j'ai été surprise de voir que c'était les résidents envers les employés et puis envers les proches aussi, envers les résidents. Donc, dans ces trois rapports-là différemment, qui est un peu différent des CHSLD que j'avais connus lors de mes études doctorales. Nathalie qui demande si vous avez l'intention ou un plan de retourner dans les résidences pour vérifier si le jeu a eu un impact sur les interactions entre résidents. Bien, dans le cadre du projet de recherche action, on a vraiment demandé aux résidences Pelletier d'implanter le jeu dans la résidence. Là, évidemment, la COVID est arrivée. La COVID étant, ça a fait en sorte que les temps d'implantation ont été un peu plus difficiles à réaliser. Les appartements les gens étaient dans leurs appartements et tout. Donc, de voir le vivre ensemble à l'intérieur du milieu, ça a été un petit peu plus difficile. Mais comme je vous l'ai mentionné dans la présentation, on a vraiment comme un intérêt à faire un comité de pilotage ou un comité pour connaître les gens. Comment ça se passe dans les résidences qui vont avoir utilisé le jeu? On veut vraiment avoir vos commentaires par rapport à ça. Donc, on va réfléchir à une façon que vous puissiez peut-être répondre à un sondage ou quelque chose du genre pour qu'on puisse être au courant de ce que ça donne dans vos milieux. Tenez-nous au courant, on veut le savoir. Il y avait justement une question qui suivait au sujet de la pandémie et comment faire, comment procéder avec le jeu si on ne peut pas rassembler les gens comme on le faisait avant. Les gens peuvent jouer avec leur propre ordinateur ou tablette dans leur milieu. Donc, on peut voir un impact individuel, mais pour voir sur le collectif, on joue sur les comportements individuels, mais si on veut voir l'ensemble, puis qu'est-ce qui a changé dans les relations entre les personnes, c'est un petit peu plus difficile en ce moment, étant donné que plusieurs des résidents sont confinés dans leur appartement. Mais ça peut quand même être une façon de désennuyer les gens, de jouer à ce jeu-là, par exemple. Oui, Caroline nous dit, quelle a été votre préférence, jeu individuel ou jeu de groupe? Bien, je vous avoue que nous, on a joué, j'ai fait une présentation aux employés, aux résidents, avec des groupes ou seuls. Puis, les deux façons fonctionnent très bien. Je vous avoue qu'au départ, quand on fait un jeu de groupe, parfois les gens sont timides à répondre pour donner comment ils interviendraient ou quel choix ils feraient dans chacune des situations. Mais une fois la première situation passée, puis qu'on a mis un climat, que c'était un climat d'ouverture, propice à la conversation, sans jugement, bien, je vous avoue qu'après ça, ça a super bien été.
je crois que c'est Merci tout. beaucoup, Mélodie. Donc, on a une autre question ici ou un commentaire. Il y a beaucoup d'intimidation entre les personnes qui vivent dans des HLM dans ma région. Toutefois, je ne pense pas que c'est spécifique à ma région. Je crois que le jeu peut s'adapter tout à fait à la réalité des personnes qui vivent en HLM. Commentaire intéressant. Merci beaucoup. Très bien. Crois que ça couvre pas mal. Il y avait une question que j'ai vu passer qui était aussi un peu plus technique, qui avait à voir avec le jeu. Donc, comment est-ce que quelqu'un qui abandonne le jeu en cours et veut reprendre là où ils avaient laissé, comment ils font ça? Est-ce qu'il faut qu'ils aient un login, qu'ils donnent leur adresse courriel? Est-ce que c'est Oui. compliqué? Pas du tout. Évidemment, c'est si la personne a ouvert le jeu sur son propre ordinateur ou tablette, ça va revenir où est-ce qu'ils vont l'avoir laissé. Si elle reprend un autre ordinateur ou une autre tablette, elle va recommencer le jeu au départ. Très bien. Et nous avons une question de Sabrina qui dit: Je suis animatrice en loisirs et je suis témoin de situations d'intimidation. Comment est-ce que je dois agir en tant que professionnelle? Ça va dépendre de la situation, évidemment. C'est une situation, c'est pas toujours facile d'intervenir dans ces situations-là. Je vous invite à jouer au jeu, vous aussi. C'est pas juste pour les résidents, pour les employés, les dirigeants. Tout le monde est invité à jouer au jeu puis à consulter les outils. Je pense que ça va vous donner des pistes pour comment intervenir dans chacune des situations. Ce ne sont pas toujours les mêmes, puis des fois, ben, ça ne demande pas toujours les mêmes interventions. Donc, je vous invite à aller consulter les outils. On nous demande ici une dernière question. Catherine, merci beaucoup pour cette belle initiative. Est-ce qu'un jeu papier est à venir? Non, il n'y a pas de jeu papier qui est à venir. La subvention qu'on a obtenue, c'était vraiment pour créer un jeu sérieux web. Donc, il y a des outils qui accompagnent le jeu, mais le jeu est vraiment sur une plateforme numérique. Couvert. Oh, quelqu'un demande, est-ce que je peux faire ce jeu avec ma fille de 10 ans? Est-ce que c'est applicable Certainement, à 60 ans? Oui. certainement. Oui, parce qu'on a vu que c'est quand même dans les écoles et tout, il y avait des outils. Il y en a d'ailleurs des jeux sérieux qui existent pour contrer l'intimidation dans les écoles, je pense, l'intimidation, les situations problématiques dans les écoles, mais on n'avait rien chez les aînés. Donc, c'est ça qu'on a fait dans le cadre de ce projet-là. Mais pourquoi pas ne pas commencer aussi jeune pour jouer à Alors, oui, alors on a eu aussi plusieurs commentaires de collaborateurs et partenaires qui ont participé au jeu. Je vois ici, j'ai vu Jean Boissonneau, je vois ici Denise Lemire. J'étais dans le comité aviseur de cette nouvelle équipe. Je Bonjour Denise. suis impressionnée par le produit final. La trousse est super et donne les renseignements nécessaires pour s'en servir dans les résidences. Bravo à toute ton équipe, Marie-Ève. Merci Denise, c'est vraiment très gentil. Merci d'avoir participé, d'avoir contribué à ce beau projet-là. Frédéric, est-ce que tu vois d'autres questions? Je crois qu'on a à peu Je près tout crois qu'on est couvert. à peu près tout couvert, oui aussi. Il y a beaucoup de références aux ressources des CIUSSS ou CIS et aux ressources locales. Donc, on en prendra compte peut-être dans un petit amendement de la trousse d'accompagnement. Oui, parce que dans le cadre du projet, c'est sorti que parfois la personne responsable de recueillir les situations problématiques, si c'était une personne qui était externe à la résidence, par exemple une travailleuse sociale ou quelqu'un qui est formé en psychosocial qui pourrait venir une fois de temps en temps à la résidence pour recueillir ces situations-là, se faire connaître des résidents. Je sais qu'il y avait des milieux qui étaient intéressés par ça parce que justement, les gens ne se sentent pas mal de parler à cette personne-là qui est externe. Fait que ça peut être une avenue qui est vraiment tout indiquée, là, à explorer. Bien. Je ne dis pas que c'est la fin, on a encore quelques minutes si vous avez d'autres questions, mais je voulais juste partager les dernières infos avec tout le monde avant que vous repartiez de chacun de vos côtés. Donc, si vous voulez rester en contact avec le réseau, avec moi, ou si vous voulez même envoyer des questions que je peux faire passer à Marie-Ève, mon adresse courriel est visible à l'écran, benedictes.cnpea@gmail.com. Vous pouvez nous trouver bien entendu sur les réseaux sociaux et vous avez un lien ici si vous souhaitez vous inscrire à notre bulletin mensuel pour rester au courant des progrès de projets comme celui de Marie-Ève, des prochains webinaires qui vont se passer et de nouvelles qui ont à voir en général avec la maltraitance des aînés, la prévention de la maltraitance des aînés et la promotion de la bientraitance à travers le Canada parce qu'il se passe plein de choses très intéressantes dont on n'est pas toujours forcément au courant quand on est d'un bout du pays ou à l'autre. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire et n'hésitez pas à envoyer vos questions à moi ou à Marie-Ève. On fera de notre mieux pour y répondre. Et un rappel à tout le monde, dans la semaine qui vient, vous allez recevoir un petit email automatisé qui va contenir un lien vers la présentation, donc les diapos, et un lien vers le trousseau.
et aussi un petit questionnaire juste pour voir comment, quelle a été votre expérience de ce webinaire. Ça nous aide, nous, pour nos prochains plans. Donc, vous allez recevoir tout ça, que vous ayez et que vous soyez là aujourd'hui, ou peut-être vous êtes juste resté pendant une demi-heure, peu importe, vous le recevrez. Et puis, merci beaucoup à tous pour être venus en si grand nombre pour en apprendre plus sur le jeu sérieux. Et merci beaucoup, Marie-Ève et Frédéric, pour cette présentation. C'était fantastique. C'est beau de voir qu'il se passe des choses comme ça. Au Canada et au Québec, partout. Donc, laissez-nous savoir comment ça se passe et s'il y a eu une mise à jour un jour avec une version anglaise aussi, faites-nous savoir. Merci beaucoup à vous de nous avoir reçus aujourd'hui, de nous avoir donné cette chance de partage de ce jeu. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Donc, bonne journée à tous et à toutes. Et puis, on se reparlera probablement le mois prochain pour un nouveau webinaire. Merci beaucoup tout le monde. Au revoir.